Je connais M. Bacha, je suis fonctionnaire d'abord. Après, nous tenons un cousin très proche de lui, qui travaille dans le même bureau avec lui. À partir de là, nous sommes dans une petite réception familiale. Et depuis là, il connaît bien. Et nous tenons une relation correcte. Parce qu'il connaît moi personnellement, je connais personnellement quand il est au moins n'importe qui côté, il cause à moi. Et aussi comme vous tout dit, je cause à lui. Mais pour ça, je m'entends ça. Je m'entends qu'il y a une mort d'un accident dans une situation tragique. Je trouve qu'il est juste qu'il me vienne là pour en rendre un hommage parce que M. Bacha tient un fonctionnaire au père. Tient une intelligence vive, terrible. Et il est tranché. Je gagne l'occasion de côtoyer lui. Une deux fois dans des occasions, dans mon capacité de fonctionner ainsi, et aussi dans ma situation en privé aussi. Quand nous avons l'occasion, et sans bonne idée, causer. Alors, Mme Dorine, nous trouvons, on fait le déplacement justement pour rendre un hommage à M. Bacha, qui aurait tenu des délits de ce bon enseignement. Tout le monde peut saluer comme un très grand professionnel. Bon, vraiment, nous sommes très attristés aujourd'hui pour la disparition de ce M. Bacha. C'est. Nous sommes choqués quand nous avons eu sa nouvelle là hier. Et bon, nous tout connaissons, nous tout pour rappeler, parce que pas pour oublier, nous tout pour compter rappeler comme une fin intellectuelle. Parce que vraiment, ce Binod Bacha, pour qu'il n'ait pas travaillé avec tout le premier ministre, si tout le premier ministre il redit, ça montre qu'il tient très grand à cette. Pour tout gouvernement qui finit au pouvoir, il finit de tout. Mais voilà, que bon. J'espérais qu'aujourd'hui, il retrouve la paix définitivement et que je souhaite chose sincère sympathie à toute la famille. Je connais il y a une chose très triste pour la famille. Merci. Je connais peut-être beaucoup, moi tu passes beaucoup les temps aussi de Sabine de moi. Ça a 3 ans qu'il m'a au Parlement là, pour prendre beaucoup de conseils à lui. Parce que c'est quelqu'un d'un fin intellectuel qui il tout le temps travaille pour le pays, un vrai patriote, qui nous apprend beaucoup à lui. Et moi, en tant qu'un jeune, on gagne l'occasion, on passe beaucoup les temps. Et le dernier moment qui nous passait, c'était le jour du budget. Qui, après le budget, quand nous sommes jeunes, nous passons un petit moment ensemble et discuter avec les stratégies qui peuvent venir devant pour le gouvernement. Mais nous en prenons beaucoup à lui. Et moi, je dirais que c'est un grand perte pour le pays.